Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends. On joue Nasus, on est top. On est avec un Fiddlesticks, Lux, Ashe et Thresh et on joue contre Tahm Kench, Talia, Azir, Vayne et Veigar. Alors je pense qu'on va être contre un Tahm Kench top, ce qui me fait un peu peur parce que je connais pas bien le champion. Mais bon, on va se concentrer sur le farm buveuse hein, tout simplement. Ça va être le plan avec Nasus, c'est d'être un monstre assez vite et de rouler sur la team adverse tout simplement. Et à voir comment s'est passée la dernière game que j'ai faite avec lui, je suis plutôt optimiste. On va dire bonjour quand même. Hop. Hop, hop, hop. Ouais. Allez, quand ça invade, on suit. La base, c'est bien sûr de toujours jouer en team. Alors moi, je serais peut-être plutôt passé par en bas. Mais pourquoi pas. On a un Thresh, on a le Fiddle. Pour peu qu'ils aient tous les deux pris. Si le Thresh a pris son grappin, Fiddle son truc qui fait peur et que en plus on a Lux qui a sa cage, il peut se passer des choses. Il peut clairement se passer des choses. Ok. Bon, un flash pour un flash. Je pense qu'on peut dire qu'un flash sur un support pour un flash sur un mid, c'est rentable. Détail important, j'essaie de prendre l'habitude de jouer en caméra D-Lock, mais je vous avouerai que je galère comme pas possible. J'ai fait quelques games avant là que j'ai essayé de vous filmer et j'ai vraiment fait de la merde en fait parce que j'étais incapable de bien gérer ça. Donc je pense que la meilleure chose à faire, bah, c'est tout simplement de se forcer jusqu'à ce que ça rentre bien et que ce soit acquis comme mécanique. Mais là, c'est très très chaud. Mais bon, on va faire au mieux. Également, j'ai changé mes runes. J'ai pris Conquérant sur Nasus et je pense que ça peut être pas mal. C'est suite à vos retours en commentaire que voilà, quelqu'un m'a dit que c'était vraiment pas mal et effectivement ça m'a l'air d'être vraiment violent. Donc bah écoutez, hein, y a plus qu'à voir ce que ça va donner en jeu. Là le but va être de farmer la buveuse au mieux. Alors il y a un Tahm Kench par là. Je sais pas trop ce qui s'est passé là, pourquoi tout le monde a pingué. Alors je sais même pas c'est quoi son item là. Ok, c'est un truc qui fait des choses bizarres. Ah oui, d'accord. Voilà, quand je vous disais que je galérais avec la caméra lock, hein, c'était complètement vrai. J'ai beaucoup de mal. Alors, il faut aussi que je prenne l'habitude de regarder ma minimap. Est-ce que je suis pas un peu un taré de revenir comme ça? Bah, probablement. Hop, mais il faut vraiment que je puisse farmer la buveuse. Mec, je sais pas ce que tu fais. C'est quoi ça? Il m'a mangé. Il m'a mangé. Non, 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 là, faut arrêter là. Faut vraiment arrêter le délire. J'ai pas envie de crever. Mais non, mais il me mange! Le mec me mange! Bon, bah, je sens que cette game, ça va vraiment me gaver. Je fais que courir, il me mange, il me rejette en arrière. Je sais pas ce que je peux faire contre ça. Bon. Ok, ça va être chaud. Bah, écoutez, on découvre les champions, hein, c'est. Ça, non mais je loupe la buveuse en plus. Alors si j'ai bien compris, il faut pas que je me fasse. Non mais attends, c'est quoi ce mec? C'est quoi ce mec? Attends, c'est une blague en vrai. Oh, c'est quoi ce champion? Bon bah j'ai pas bah, c'est fini en fait, j'ai plus de game. C'est quoi ce champion? Sérieusement? Je peux absolument rien faire, le gars il me met des coups de langue avec une portée 1 milliard, il a aucun temps de chargement, il me mange, il me jette en arrière. Bon, bah écoutez, on va s'amuser, c'est super. C'est super. Bon, ça va être un exercice intéressant du coup d'essayer de pas faire trop de la merde. Bon, sachant que là, de toute façon, je suis tellement derrière que c'est à peu près fini pour moi. Tout ce que je veux, c'est à peu près farmer ma buveuse, réussir à prendre quelques petits coups et tenir bah, assez longtemps dans la game pour servir à quelque chose, hein. Ça va tout simplement être ça. En fait, là, c'est pas que. Putain, j'arrive à rater ça. C'est pas que je veux pas venir aider mes potes, c'est simplement que je ne peux pas. Il faut qu'ils fassent gaffe parce qu'il y a vraiment le SS Tahm Kench là qui me fait ultra peur. Il a l'air ultra vénère comme champion. Alors, ça c'était vraiment discutable en fait, j'ai déjà pas de farm. Ok. Allez, on va essayer de pas le louper, celui-là, nickel. C'est très chaud. C'est vraiment très chaud. Alors en plus, voir ce qui se passe sur la map. Mais non mais. Oh, le coup de la TP là sur le creep, ça c'est un truc qui me rend fou. Déjà l'autre fois ça me l'a fait. Ça me fait perdre du farm, ça me fait gaspiller du mana. Ok, donc il faut vraiment que j'arrive à esquiver ces coups de trucs chelous là. D'accord. Ouais, donc arriver en plus à. Non, mais attends, les dégâts qu'il met, c'est quoi ça? C'est quoi ça, franchement?
Je sais pas, mais là en fait je pense qu'il me dive, mais genre tranquillement. Hein. Bon bah je vais jouer. Je vais coller ma tour. Comment je suis mal. Je suis ultra mal. Non, puis moi je fonce dedans comme une merde. Hop, allez, on fait au mieux, on essaie de creeper. On fait tellement peur. Ok. Faudrait que j'arrive à même à la limite si c'est pas du last hit. Ça me rend fou. ça me tilt. Ok. Bon bah on va aller hein, on va viser le late hein. En fait je sens que si je m'approche je suis mort, c'est aussi simple que ça. Ok. Je vais essayer de tenir jusqu'à ce que je puisse back avec ma TP, mais... Ok, il y a une ward. Merde, c'est comment... Je crois que j'avais un raccourci pour me dire qu'il a la vision. Mais putain, mais je me fais ouvrir, mais comme jamais. Bon bah je vais back, hein, j'ai pas le choix. Je suis ultra deg. Je suis vraiment ultra deg. Je voulais vraiment jouer safe, tranquillou. Et je me fais ruiner, mais... à un point... Allez, je vais prendre ça. Ça serait mieux que j'arrive à prendre la brillance. J'aurais peut-être dû attendre un tout petit peu, essayer de récupérer un ou deux creeps pour pouvoir prendre la brillance direct. Mais bon, ça me rend un tout petit peu plus solide, on va dire. Qu'est-ce que j'en chie. Puis en plus, avec le contrôle de la caméra en même temps, c'est ultra dur. Là, je crois qu'il s'est passé un truc avec le fidèle et j'aurais dû être là, mais bon. Puis là, il va prendre un milliard de gold. Putain, il a toujours pas back. Ah si, il a back. Ah oui, il a back, donc en plus, maintenant, il est intuable, d'accord. D'accord. Tac, ça je prends. Ça je prends. Ça je prends. Ça je prends. Bon, il commence à se passer des choses là. J'arrive à choper des sbires, attention. Tout peut arriver. Alors attention, le time catch est pas là. Le reset de la buveuse est, a une animation un petit peu qui me perturbe. Mais ok. Tac, ça je prends. Ok, bon, j'ai donné un kill comme un attardé. J'essaie de rester dans la game comme je peux. Il faut vraiment que j'arrive à farmer. Attention, il n'y a pas de top là. Qu'est-ce qu'il a pris? Putain, mais il a le stuff qu'il a. Je sais même pas ce que je peux faire contre ça en fait. Attends, mais c'est quoi la zone? Je suis sorti de la zone de son sort et ça me l'a mis quand même. Alors là, il faudrait m'expliquer. Quand je stresse, en fait, je vais juste maintenir la caméra lock manuellement. Parce que sinon, je suis incapable de gérer mon champion. Ok. Ça va rentrer, hein, vous inquiétez pas. Là, je pense que ça va être un paquet de games compliqué, mais après, j'aurai bien intégré la mécanique et ça ira mieux. Ok. J'ai pas de farm. Je me fais ouvrir. Je sais pas quoi faire. Tant pis, en plus, il me maintient à distance. Non, mais là, faut arrêter, hein. Arrêter, enfin non, de l'aide. Help. Sauvez-moi. En vrai là il est ultra push hein, si j'ai un jungler qui vient, il peut se passer des choses hein, mais. Bon. Ok. Oh j'ai raté ma buveuse. Je pensais que je me le fais en 1v1 là. Ce serait pas mal que j'arrive à le choper en fait. Mais je sens que si je le tente, je me fais ouvrir. Je sais pas, c'est un petit pressentiment comme ça. Mais avec l'ulti, un Azu, ça peut quand même surprendre. Hein, mais là, esquive, mind game à fond. Je lis dans ses pensées ce qu'il veut essayer de me faire comme sort. Je le vois venir. Ok. Ok, bon, je l'avais vu, mais je me suis dit, je vais le laisser le placer, comme ça, psychologiquement, il prend la confiance, et après, je fais un comeback des familles. Ok, là, je vais pouvoir back, peut-être, pour la brillance. Aidez-moi. À l'aide. À l'aide. Je suis pas bien. Ok, il prend des petits coups de tourelle. Alors, il a des PV qui sont un peu, genre, gris. Je crois que ça veut dire que... Ok, on a une botlane, bonne nouvelle. Très bonne nouvelle, on a une botlane. C'est pas le cas sur toutes les games, hein, je précise. Oh là là, en fait l'animation elle me fait faire un tout petit peu plus de trucs.
Et du coup, je galère. Alors là, il va venir me cancel le bac à tous les coups. Mais c'est quoi ce champion? Bah, je vais le jouer. Pourquoi je suis pas en train de le jouer, là? Ça a l'air, mais d'être dans le futur, ce truc, à un point. Allez, on y va. Ça se trouve, je peux le tuer, hein. Ok, bon, c'est pas trop ça pour l'instant. Mais c'est pas impossible qu'un jour il se passe quelque chose sur cette lane. Allez, on va test. Je suis sûr qu'il peut. Il peut arriver quelque chose de bien. Voilà, genre un Fiddlesticks, hein, au hasard. Putain, quand je vous avais dit que je galérais avec la caméra lock, là, mille fois j'aurais pu le tuer. Et avec la lock, j'ai complètement. Je pouvais flash, flash slow et terminer. Je sais pas ce qu'il dit le fidèle. Je comprends qu'il est pas content, mais est-ce qu'il dit que c'est Tamkench qui est pété ou que c'est moi qui suis nul? Je sais pas. Putain, mais il va me le faire combien de fois le coup de. Bon, c'est en train de me saouler en fait là. Alors en fait. Mais non, mais. C'est incroyable ça! Comment je galère? C'est Putain, il va me le faire combien de fois le coup de la TP là? Bon bah je me fais vraiment éclater hein. Fiddle, je sais pas ce qu'il a voulu dire. Il a dit c'est pour ça que je viens pas top, mais je pense qu'il parlait de. Il parlait du Tamkench parce qu'il pouvait pas savoir que j'étais nul avant de venir. Ou alors c'est quand il a vu que j'ai pas décalé tout à l'heure, je sais pas. Mais là, vraiment il se faisait d'un flash et c'était good quoi, je suis un peu triste. Au niveau du farm, je me fais ouvrir, j'ai la tourelle qui va tomber. Bon, mon petit Tamkench, on en reparle dans 20 minutes, quand j'aurai 1000 stacks sur ma buveuse, hein. Je sais même pas si ça fait des dégâts magiques ou physiques, ça a l'air d'être plutôt magique, je dirais. On va prendre les tabis aussi vite que possible. Ok, la bonne nouvelle, c'est que j'arrive à être de retour pour prendre mon farm. Ça, c'est plutôt cool quand même. Ok, il faut que j'arrive à esquiver ces conneries, là. Ok, je commence à avoir des dégâts sympas sur la buveuse. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Mais je comprends pas pourquoi ça me touche son truc. Quand je vois une espèce de zone qui s'affiche, là, je me décale. Je sors et ça me touche. Ça, faudra m'expliquer quand même. Parce que ça me laisse perplexe. Alors là, je crois que j'étais un peu dedans. Ouais, c'est étrange. Alors ce qui serait bien, c'est que j'attende qu'il ait plus de potions, là. En fait, tout à l'heure, je me demande si j'aurais pas pu le faire en 1v1 sans le Fiddle. Mais du coup, comme Fiddle est venu et qu'il a fui, bah je... Mais non, mais attendez, c'est quoi là, sa portée de son sort, là? C'est une énorme blague, en vrai. Aidez-moi, à l'aide. Non, mais... Incroyable. Ok, en plus, j'ai juste eu le temps de mettre l'ulti, je meurs. C'est incroyable ce qui se passe. Ce champion, incroyable. Tout simplement. Tout simplement incroyable. Fiddle qui vient pas. Bon, après, je comprends, hein, je le comprends qu'il vienne pas, parce que quand on a un mec en face comme ça, on n'a pas forcément envie d'aller risquer un gank. Alors en fait, là, ouais, il aurait fallu focus to Drake avant de se barrer, hein, mais bon. Pas mal. Bon, j'ai quand même l'air d'avoir une team, ça c'est la bonne nouvelle, et là, c'est moi la merde de l'équipe pour l'instant, sauf que moi, en late game, je suis une machine. Je suis une machine, hein, je sais que vous le savez. Ce qui veut dire qu'on n'est pas si mal. On n'est pas si mal, je commence à avoir une bonne réduction de délai, je suis à 35%. Donc là on va arriver à un stade où le Tamkench va décaler, d'ailleurs je vais dire qu'il n'est pas visible. Et il va revenir en se disant, oh le petit Nasus là je l'ai éclaté, je vais lui remettre pareil, et là bah, je vais être un monstre en fait, parce que j'aurai 2000 de phare sur ma buveuse. Et bah, je vais l'ouvrir, voilà complètement le plan de la partie. Mais attention quand même au Tam, hein. Attention, attention. Ok. Opération Last Hit. Bon, celui-là, je pourrais pas l'avoir au Q. Ça, c'est bon. On va mettre une petite ward. Ok, on est à 500 de dégâts. Ils ont 700 de vie. Je prends note, hein, le but étant, bien sûr, d'arriver à en choper le plus possible. Tac. Hop. Ok. Non!
Oh mec, j'ai envie de te tenter en 1v1, tu m'as tellement saoulé en fait, toi. Je sais bien que c'est pas une bonne idée. Alors non, mais par contre, le 1v2, c'est pas cool. Et je pense vraiment qu'en 1v1, il y avait moyen de faire des choses. Alors, je sais pas c'est quoi ces espèces de points de vie chelous, là. Mais je suis sûr que sans me faire éclater en 1v2, j'aurais pu faire quelque chose. Mais là c'est quand même très chaud. C'est très chaud. C'est très chaud, mais j'ai une team qui fait des trucs. Est-ce que je vais me faire porter par ma team? Peut-être. Est-ce que je vais arriver à la fin à faire un pentakill avec un Asus Cooldown Unbroken? Probablement. Voilà, on va partir là sur ce constat. Voilà, il y avait de l'idée. Mais en fait, à chaque fois, ils font des choses bizarres. Bon, on a par contre vraiment une bonne hache, hein, de ce que j'ai compris. 4-1, ça c'est plutôt rassurant. Moi, je suis absolument incapable de venir avec la team en ce moment parce que je suis tellement en retard en fait que... Bah, je suis une plante verte en teamfight, hein, tout simplement. Je ne peux rien faire. Là, je vais encore me faire ouvrir. En plus, je galère avec ma caméra, toujours. Super. Bon, est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Mais en fait, si j'y vais, je sais même pas pourquoi faire. Mais non, on se rend pas. Jamais de la vie, on se rend. On se bat jusqu'au bout, toujours. Bon, allez. Faut que j'arrive à trouver un moyen de servir à quelque chose. Tac. Mais il faut qu'ils arrêtent de tous me rush comme ça, là. Oh, comment il me tilt, lui. Les dégâts qu'il met, mais c'est une énorme blague. Par contre, là, vraiment... En fait... Alors, on va voir si en 1v1, je peux faire quelque chose ou pas. Et si jamais, bah, c'est pas le cas. Easy. J'ai toujours su que je me le faisais en 1v1. On va dire que j'ai presque pas eu d'aide de mes alliés. Alors par contre, me prendre mon farm quand je suis en train d'essayer de farmer. Pars-toi, s'il te plaît. Ah, c'est absolument pas méchant. Hein. Je sais que tu fais une bonne game. Mais en fait, là, tu me mets au fond. Oh, mais les gens, ils savent ce que c'est, Nasus, ou... Je suis pas assez en retard au farm. Il faut en plus me foutre dans la merde comme ça. Ça, c'est un truc que j'ai un peu du mal à saisir. Mais bon, bah... Ça conforte mon choix de faire la FK sur ma lane, mais c'est bizarre qu'elle fasse ça. Là, elle vient de me niquer, je sais pas combien de dizaines de farms sur le Q, mais... C'est affolant. Bon, on a un bon jungler, hein. Il a l'air vraiment, vraiment motivé à faire des choses, ça c'est sympa. Mais là, elle m'a fait bader la hache. Hein. Je sais qu'elle est pleine de bonne volonté, hein. Je sais qu'elle est absolument pas en mode relou, mais... Et moi, en fait, j'en ai besoin de ce farm pour exister dans la partie. Oh, puis elle continue. Oh, je suis en train de devenir fou, là. Bizarre. Bon, allez, je reviens à AFK au top, ça m'a saoulé. Comment on cancel la TP? Je comprends pas. Je comprends pas, j'ai pas réussi à cancel la TP. Alors ça, il faudra vraiment qu'on m'explique par contre. Comment ça se fait que j'ai rappuyé sur le sort, j'ai appuyé sur échappe, j'ai rappuyé... Enfin, je sais pas. Pourquoi ça l'a pas cancel? Normalement, quand tu rappuies dessus, ça cancel, ça te met moitié de délai en moins. Putain, me dis pas qu'ils ont enlevé le cancel de la TP quand même. Mais non, c'est quoi cette blague là? Je suis en train de devenir fou. Bon, on a une partie compliquée. Une partie vraiment compliquée. On va essayer de rester dedans. Hein, ça me paraît être la meilleure chose. Je suis toujours que sur mes items de début de partie et pas sur mes vrais items. Ça, c'est quand même un petit peu inquiétant. Le Tahm Kench là, il me fait bader, mais à un point complètement démentiel. Mais ça c'est vraiment broken en fait, son truc. Bon, par contre, fais gaffe, mec. Hein. Il est vraiment vénère, hein, le Tahm, là. Déjà, il a un champion vénère de base, et il est vraiment vénère, celui-là.
Ok, je rate mon creep. Nickel. Alors là par contre si... Mais c'est quoi ça? C'est pas normal hein. C'est vraiment pas normal hein, que ce soit comme ça. C'est fou. C'est complètement fou ce qui se passe. Oh. Et... Alors c'est quoi ces boucliers? Il se met des PV. Je comprends rien. Bon. Nickel. Je vais me prendre quand même ça. La récap, les dégâts. Ouais, c'est du magique, hein. C'est bien ce qui me semblait. Le Fiddle, il a l'air chaud en vrai. Il est pas mauvais, hein. Je pense qu'effectivement, il doit être un peu frustré qu'on suive pas ses calls depuis tout à l'heure. Parce qu'il est, pas mauvais du tout. Mais là, putain, je suis à 0,5, quoi. C'est une honte. Putain, puis j'ai pas de farm sur la buveuse, j'arrive même pas à one-shot les creeps. Toi, en fait, tu vas arrêter de me saouler. Voilà. Il me faut du farm. On est en train de se faire enfoncer la game. C'est quoi ça? C'est avec nous ou c'est contre nous? Pourquoi c'est là? C'est pas un truc qu'il faut mettre proche des tourelles ou je sais pas quoi? Le Fiddle il est fou et je le comprends. Non mais... Okay, alors ça c'est magique aussi, bon très bien. Très bien, je redécouvre le jeu mais c'est assez brutal hein, comme redécouverte, je vais pas vous mentir. Il se passe des choses. Ça je pensais que c'était AD en fait, je vais juste devoir que c'était AP. Surpris. Bon, pas que ça aurait changé quelque chose, hein, mais je pensais pas. Je sais pas, un truc qui te balance de la terre dessus, tu te dis que c'est plutôt AD que AP. Ça me paraît très logique. On a... Putain, on a une bot lane en plus, quoi. Le pire, c'est qu'avec la caméra lock, je l'aurais ruiné, hein. Ça, c'est une évidence, hein, mais... Par contre, sans déconner, son champion, il fait péter des câbles. Il fait vraiment péter des câbles, son mec. Allez, go Nash, parce que le Fiddle, il va devenir fou. Moi, on me dit Nash, je Nash. Quoi, du coup, on continue le dash ou... Oh, putain, j'essaie de suivre hein, avec plein de bonne volonté, mais... En fait, au bout d'un moment, c'est compliqué, quoi. Putain, mais là, on est en train de se faire éclater, on est d'accord. On peut pas fight, là. Qu'est-ce qu'ils font? Ah, il y aurait presque moyen de faire des trucs, mais... Ok, il y a du flash qui a été lâché en face. Et moi, je suis beaucoup trop en retard, en fait, pour faire quoi que ce soit. Hein. Merde, ok, bon, j'aurais peut-être dû rester. Ah ouais, d'accord, et... Ouais, j'aurais effectivement dû rester. Bon, je suis très mauvais, mais c'est vraiment pas de la mauvaise volonté, hein. C'est juste que je suis mauvais. Hein. On soit bien d'accord. Hein. Bon, allez, je suis allé farmer. Ça, au moins, je sais faire. Hop. Que je puisse être un peu plus utile, parce que là, je suis vraiment trop en retard, en fait. Hein. Je suis un guignol dans les fights. Hop. Ok, ça c'est good, ça aussi. Bon, j'ai les 45% de récup. Oh, j'ai réussi à relooper le gros, je suis vraiment un chien, putain, c'est incroyable comment je suis mauvais. Je suis vraiment une merde. Hein. Bon, il y a le Drake là. Je sais pas si on peut... Bah, en fait, je vais aller avec eux parce que sinon je sens qu'ils vont pas kiffer. Ou alors j'aurais peut-être pu aller au Drake. Hein. Là je l'aurais fait tout seul rapidos. Mais j'ai senti que ça allait pas leur plaire si j'y allais pas. Ah, je suis fou.
On leur laisse pas. Oh, ça me tilt. J'ai fait la pire action de ma vie. Nickel. Vraiment mauvais. Mauvais comme never. J'aurais mieux fait d'aller farmer tranquillement. J'y suis allé, j'avais pas ma trinité. Et puis je me suis juste fait ouvrir. Putain, le pire c'est que j'ai une team qui fait des trucs. Ils sont pas mauvais. Putain, j'ai eu des games avant là où genre je faisais des trucs de ouf sur ma lane. J'ai gagné tranquille. Puis après, il y avait une botlane 15-0 qui m'est débarqué dessus. Mais là, là j'ai vraiment une team qui joue bien. C'est moi qui les mets au fond. Et ça, ça me fait chier quand même. C'est vraiment moi qui fais perdre là, à moi tout seul. Ouais, c'est frustrant. Tom Kench là, il m'a un petit peu disrespect. C'est compliqué. Allez, faut le tomber. Moi j'y vais, hein, je vais au bout du monde. Hein. En fait, pourquoi je les chope pas là? Je vais l'avoir lui. Hein. J'avance pas, c'est pas normal que j'avance pas comme ça. Je sais pas, c'est bizarre. Ça me gave un peu. On va le faire son H à lui. Ça me gave vraiment de pas avancer. Allez, le coup de buveuse. Enfin, je commence à mettre des coups de buveuse qui servent à quelque chose. On va dire que là, jusque-là, on est plutôt sur de la bonne nouvelle. Voilà. Allez, maintenant, moi, il faut vraiment que j'arrive à revenir dans la game. Il me faut du farm. Je vais aller dépêcher les lanes. Je vais pouvoir m'acheter la danse de la mort ensuite. Ça, c'est un item qui m'a été recommandé par vous en commentaire. Et apparemment, ça peut faire des trucs stylés. Alors après, ça a l'air d'être un truc assez offensif quand même. Est-ce que là, il vaudrait mieux pas que je parte un peu plus défensif pour pouvoir fight avec ma team? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Ah oui, d'accord, j'ai même pas tombé la tourelle au top. On est sur ce stade de nulleté. Très bien. Très très bien. Bon, elle est là par contre, elle ne va pas faire long feu. Très franchement. Tac. Si on me dit de back, je back. Très concrètement, parce que là, lui, il m'a un peu tilt quand même. Ok, si Lux, elle veut venir. Non, on va y aller safe, parce qu'en fait, là, je peux presque prendre un item en backant. Il vaut mieux que j'essaie de me faire un tout petit peu de gold quelque part, je sais pas où. Ok, elle prend ça. Est-ce qu'ils sont encore sur la lane, là? Ouais. Ouais, alors là, si ça veut y aller, moi je suis. Ok, ça c'est bien joué, ça. Allez, là c'est le moment de fight en team, je pense. Je vais être avec eux. Il faut que je protège au max la hache. Putain, je suis tellement pas là, quoi. Allez, là, le bordel, là, je vais le baiser. Ok, on a fait des trucs. Allez, go mid, là, on push. Là, il faut vraiment y aller. Ok, c'était pas trop mal. Je vais essayer, même dans des conditions comme ça, en fait, de lastic les tourelles. C'est toujours du stack, hein. Un stack, c'est un stack. Bah là, en vrai... Est-ce que on ferait pas encore une fin de partie complètement improbable? Oh putain, je prends le focus, ça c'est pas bon. Ok, je suis tout seul. Là, c'est peut-être le moment de se barrer, je pense, en fait. Plutôt que de vouloir durer à fond et de perdre et de crever comme ça. Qu'est-ce qu'il dit, le fidèle? Je pense qu'il est un peu tilt. J'ai l'impression qu'il a l'air d'être un peu plus haut niveau que nous. Mais en même temps, il dit des trucs, il parle un peu en énigme comme ça, du coup c'est pas évident de le suivre, mais je pense qu'il y a du bon sens dans ce qu'il dit. Ok, on va aller rush, bon, moi je vais aller faire le Drake en fait, on va voir si je peux le choper. Et bah en termes de farm buveuse, c'est pas trop ça. Hein.
J'ai quand même fait des trucs stylés de trois moments, mais sur la game, je suis pas bon, hein. Clairement, je me suis fait découper. Allez hop, go. Putain, j'aurais tellement pu... Voilà, bah là on finit en fait, hein. Go. Go end. Allez, je prends tout. Tu me fais pas peur, Vega. Il faudrait que je puisse me régénérer un tout petit peu. Tu sais que ma team elle prend tous les creeps, du coup je suis un petit peu dans le caca. Alors là je fais le... Putain, j'arrive vraiment à me prendre ça, c'est une blague ou... Je fais le choix d'être avec eux. Est-ce que j'aurais mieux fait d'être en train d'AFK farm quelque part? Non, 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 là, effectivement, c'est le moment pour finir. On va dire un petit GG. Tac. Bon, c'était chaud, hein. Partie difficile pour moi, j'ai vraiment pas été très bon, mais je pense que c'était intéressant parce qu'en fait, ça me permet de bien voir les points sur lesquels je dois progresser. Bon là très simplement je dirais connaissance des champions et présence dans les teamfights et mécanique au niveau de la gestion de la caméra, voilà, qui est vraiment un truc nouveau pour moi. Mais j'avais vraiment une team super. Bon, le Fiddle il était un petit peu punchy dans les messages, mais il était quand même, je pense que c'est vraiment lui qui nous a fait gagner la game par ses prises de décision. Et puis la Ashe au niveau du carry qui a vraiment été très bonne aussi. Mais en tout cas cette fois-ci c'est pas grâce à moi qu'on gagne. Voilà, c'était quand même une partie sympa. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.